est incapable de déjouer Adam. Il faut éviter les revirements en territoire central chez l'Armada. Ça a été ce qui a coûté une bonne partie du match contre les Voltigeurs dimanche dernier. Mathias Laferrière. Laferrière travaille tout seul devant Maxence Guenette. Belle passe au côté vers Tournier. Quel arrêt de Jonathan Lemieux de la mitaine! Vous allez essayer de l'égarer. Un tir de Pelletier dévié par Robida. Et là, ça va permettre probablement à Luke Edmund de s'échapper. Edmund devant Lemieux, la fin. Et compte! Luke Edmund avec un magnifique but en désavantage numérique. Et l'Armada qui profite de son troisième lancé pour prendre les devants dans ce match avec 1 minute 11 à faire en première. Belle fin du capitaine. On s'amène avec vitesse, on s'amène à 3 chez l'Armada. Laferrière voulait remettre à sa droite. Et là, finalement, c'est Justin Duchamp qui va tenter de déborder la voie. Le beau jeu de Adam pour mettre sa jambière pour empêcher de Duchamp. Ouais. Envoie vers Pelletier. La passe dans l'enclair vers Robida, ça aurait pu être complété de ce côté-là. Une belle chance. Ça vient à Jordan Spence. Spence, un tir, ça a touché le poteau de retour et compte! Avec 2,4 secondes à faire, c'est le capitaine Jacob Pelletier qui crée l'égalité 1 à 1. Ça a touché le poteau. Il semble être blessé au bras, là. T'es branlé devant peut-être... Ah, son... Ah non, ça, c'est pas beau, là. Je vous dirai pas ce que j'ai vu. Là, une belle chance! Belle arrêt de Lemieux là-dessus sur Benjamin Corbeil, là. Jacob Pelletier, ensuite vers Duchamp. Richardson, la passe vers Laferrière. Laferrière s'amène de l'autre côté. Compte! Benjamin Corbeil complète la magnifique passe de Mathias Laferrière. Et l'Armada qui reprend son avance. C'est 2 à 1. Christopher Mirizioti, ils envoient en lob. C'est intercepté de la main par Maxence Guenette. L'égaré ensuite vers Robida. C'était serré en entrée de territoire. Tire de Robida, compte! Quel tir de Justin Robida en entrée de zone! Et les Foreurs créent immédiatement l'égalité ici à Shawinigan. Mais ça semblait sec. Tourigny va tenter de couper par le contrôle. Le soutir ensuite à Poulain. On s'amène à 3 chez les Foreurs. Pelletier à Poulain, à Pelletier, à Poulain. Poulain, c'est compte! Samuel Poulain donne la victoire aux Foreurs en prolongation. Les Foreurs qui l'emportent 3-2 face à l'Armada en ce vendredi soir.